on a fait une belle course d'équipe. La semaine dernière, on a fait une mauvaise course. Et là, aujourd'hui, on a bien couru. Et c'est important. On a retrouvé des bons automatismes. Et on a su être patient en début de course. Et puis, quand il a fallu durcir la course, on l'a durci. Non, ça fait plaisir parce que au mois de juillet, on a tous fait notre stage en montagne. On a tous été sérieux. Et bon, on voit qu'on est dans l'allure même après 3 semaines sans course. Donc, c'est bien pour la suite. Non, ce n'était pas prévu. On avait consigne d'attendre un petit peu le début de la course et après surtout de courir groupé. C'est ce qu'on a fait. C'est bien, c'est important d'être représenté à l'avant comme ça. Ça met une bonne dynamique dans le groupe. Franck a attaqué et c'est Clément Koreski qui a fait l'effort et c'était un peu lui l'homme à surveiller. Dès qu'il a repris Franck, je savais qu'il fallait contrer. Moi je comptais pas partir si tôt, mais c'était là ou jamais quoi. Il s'est mis à bloc pour venir sur Franck et du coup j'en ai profité pour repartir. Et c'était long de tour quand même. Dernier tour il a été un peu difficile, mais bon, quand on gagne on est bien récompensé quand même. J'aurais aimé vraiment pouvoir être à la lutte avec lui dans le dernier tour et vraiment que ça se fasse vraiment enfin, qu'à la pédale et uniquement à la pédale. Or là ça s'est un peu fait tactiquement, mais comme j'ai dit, c'est sur le podium en fait, ça fait partie du jeu et tactiquement c'est très important et je trouve ça vraiment c'est une belle leçon on va dire de mettre les battes de cette manière là. C'est sûr, ça va vite. Bon, il n'était pas du tout inabordable. Bon, c'est sûr, je pense que en étant honnête et sans prétention, en restant dans les roues comme il a fait, je pense que c'est moi plutôt qui lui donne le vélo au final. Mais bon, c'est comme ça aussi, ça fait partie du jeu de rester dans les roues et d'attendre le final. Mais bon, moi je trouve qu'il a un peu couru pour faire, en étant très franc, bon, ça sert à rien de tourner autour du pot. Il a couru pour faire deuxième. Moi, je courais pour gagner, donc j'ai tout mis jusqu'au bout. Je fais 3, mais sans rancune, parce que bon, j'ai tout mis pour gagner, ça n'a pas marché. Et voilà, félicitations Miranda, et j'espère faire mieux.